Good morning, bonjour tout le monde. On démarre ce matin un peu plus relax parce que je crois qu'on l'a bien mérité. Tiens, regardez ce matin 2 heures plus tôt. Hey, what's going on? What happened? Huh? What happened? I don't know. Oh, I had to pull over. Look at that. He started to smoke big time. Shit. We're on Mug Hill and Torchwood. If you come and pick us up, that would be amazing. Yeah, it's AC Cobra, 1965. Comment perdre 2 heures lundi matin parce que j'ai pris ma voiture et ça fait 1 an que je ne l'ai pas utilisée. Ça fait 1 an qu'elle dort dans le garage, je pensais qu'elle était nickel et voilà. Bon, en 2 mots, c'était la guerre. Ceci étant, on va wrap up toutes mes affaires et on va aller tout simplement inspecter cette magnifique Camaro. On va voir si elle vaut la peine d'être achetée, on va présenter tout ça au client. On va faire quelques pompes devant pour inspecter le dessous de la voiture et si tout va bien, on la prend. Allez, let's go. I think we should wrap up. Voilà le monstre. Enfin, pas un monstre sympa aujourd'hui. Avec les voitures de collection, si tu te salis pas les mains, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Bref, ça a fui un petit peu partout dans cette zone. Et il y en a partout, le moteur est dégueulasse maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Allez, on va aller inspecter cette voiture. Go. Like I gotta go 7th floor like this. On essaie de se garer dans le building. Impossible de monter avec la Rolls. Beaucoup trop grosse. On est arrivé à Miami Brickell et on va donc inspecter cette bagnole qui se trouve dans un parking inaccessible pour des grosses voitures. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, mon client nous a envoyé l'annonce d'un véhicule qui est superbe. D'ailleurs, regardez la photo, elle se trouve là. Voilà, vous avez vu la photo. Et donc l'idée c'était d'inspecter ce véhicule pour s'assurer que c'est pas une poubelle roulante. Donc on va voir si tout va bien, si c'est pas rouillé, si c'est pas en mauvais état, si le descriptif de l'annonce était réglo. Et si tout est bon, on devrait pouvoir donc l'acheter, j'imagine même demain d'ailleurs, parce que souvent on avance les fonds pour nos clients. Donc vous voyez, ça va assez vite. On peut pas faire plus rapide que ça, non? Le véhicule se trouve là-haut. Donc on va grimper 7 étages. Souvent il y a des deals très intéressants sur Craigslist. C'est un site d'annonce locale. Et on a donc des mécaniciens certifiés qui sont eux capables d'expertiser des véhicules n'importe où. Vous pouvez nous envoyer des annonces et on s'occupe absolument de tout. Depuis le contact avec le vendeur, l'inspection, jusque évidemment l'expédition et la réception à votre pays de destination. Allez, à tout à l'heure. À Miami, si vous ne parlez pas espagnol, vous êtes dans le pétrin. Amigo! Ok, dime un poquito más. Pero mira, fíjate, esto es un carro del 72. El carro, yo soy el segundo dueño del carro. Ok. Su primer dueño era un amigo de mi familia. Ok. Y bueno, en realidad es un carro que me llamaba bastante la atención.
y la intención era como que arreglarlo, pero bueno, no pude en ese momento, me dieron otras cosas. Necesitamos también mucho tiempo para hacer el trabajo. Ok. Je suis avec le vendeur et on est en train de voir un peu tout simplement la voiture, dans quel état elle est. Est-ce que c'est un bon achat ou est-ce que c'est un... J'essaie aussi souvent de demander de l'information par rapport au vendeur pour savoir quelle est l'histoire de la voiture, d'où il l'a, qu'est-ce qu'il a fait avec, à qui il l'a acheté, combien de temps il l'a acheté, qu'est-ce qu'il a fait comme travaux. C'est important d'avoir l'historique. D'ailleurs, comme je disais dans un épisode avant, ça se trouve cette voiture a vécu dans le désert toute sa vie et là, ça se trouve à Miami hier. On ne peut pas savoir vraiment d'où vient la voiture et c'est important d'avoir... Bah, de tirer le maximum d'infos. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. On voit ici quand même ça assez clean, hein, le compartiment amortisseur et tout dessus. Par contre, on peut voir déjà un peu de rouille sur les tout le kit d'amortisseur. Il faut savoir aussi être relatif parce que tu peux pas trouver une voiture à ce prix-là et elle peut pas être parfaite. Il y a forcément un compromis à avoir avec du travail qui va devoir être fourni. L'idée, c'est de voir si justement dans l'ensemble, c'est un bon véhicule ou non. Donc, on l'a démarré déjà, ça tourne super bien. Bon, dans l'ensemble, on a une voiture qui est clean. Enfin, le moteur, il est super, super propre. Tout d'origine, absolument tout, je dirais, dans son jus. Ça fume pas excessivement. Les chromes sont pas superbes. On a ici des défauts assez apparents d'espacement avec les portières. Qui font que soit la voiture elle a été accidentée dans le passé ou soit c'est tout simplement avec le temps que la charnière de porte elle s'est décalée. Tous les chromes, tous les contours sont là. C'est une voiture qui est toute d'origine, elle a quasiment jamais été restaurée en fait dans un sens. On a ici on voit ici que c'est propre, c'est pas parfait mais c'est propre. Je pense pas qu'il y ait eu d'accident, on voit pas de traces. Là ça marche pas. Il descend mal. Après, l'idée c'est aussi de voir un peu si on peut retirer de la moquette pour voir un peu est-ce qu'il y a de la misère. C'est ce qu'on dit aux États-Unis, you pay for what you get. Elle está enfriando perfecto. Sí, vamos a hacerlo con... Il y a la climatisation. On a le dashboard ici, le cuir ça va, c'est assez propre, le headliner c'est très propre, c'est très joli. On va rouler avec, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, ça freine, ça tourne. Il y a la direction assistée. Donc il y a un déséquilibre avec les étriers puisqu'elle penche vers la droite quand on freine. Donc ça veut dire que ça freine un peu plus d'un côté que de l'autre. Opa, sorry about that. C'est mucha bulla. Se trata de no hacer mucha bulla, que este es un... Sí, parking, la piscina. Sí, claro. Voy también venir a conversar. Sí, pudiera ir a hacer esto. Bon, ça y est, 30 minutes d'inspection, les mains dégueulasses, une dizaine de pompes histoire de continuer à faire un peu de musculation. Et c'est pas mal, c'est pas mal.
on aime être très efficace, c'est très important pour nous, nos clients, parce que les bonnes affaires, bah, il faut savoir les saisir assez rapidement. Pour conclure, on a passé une bonne journée, c'était sympa, même si le début était un petit peu hectique, comme on dit. Belle expérience, content d'être venu à Downtown Miami pour effectuer une belle inspection, même si ce n'est pas mon job. Ça me fait plaisir de temps en temps de faire le job des autres, parce que ça me permet aussi d'être sur le terrain et de toujours mieux accompagner nos clients pour leur expliquer exactement quoi faire, quoi ne pas faire. On est très transparent, aussi bien financièrement que d'un point de vue du service. On vend du service, c'est vrai, mais on veut absolument que nos clients aient toute l'information entre les mains pour prendre la bonne décision. Parce qu'on ne veut pas être tenu responsable d'une décision que le client aura prise en fonction de ce que nous avons dit. On a fait le tour de cette voiture, on l'a testée dans un parking entre l'étage numéro 7 et l'étage numéro 8. Mais ça permet de bien voir si ça freine, si ça tourne, si ça accélère, si le moteur tourne bien. Ça fait 30 minutes que le moteur était tourné, donc on a pu voir si ça surchauffait ou non. Pas de fuite. La prochaine étape maintenant, c'est d'envoyer donc un contrat avec le total du véhicule plus le total du transport. Et donc, vous avez un véhicule rendu TTC à votre destination qui est au moins cher possible, puisque c'est littéralement le prix de la voiture plus le transport, c'est tout. Aucun autre frais au milieu. Pas de commission sur la voiture, on n'est pas acheteur ni vendeur de voiture, mais on est là pour offrir des services complémentaires au transport qui fait de nous une société très particulière parce qu'on est transporteur, mais avec une expertise vraiment à la pointe et au plus rigoureux possible dans le domaine automobile. Je pense que ça y est, on va se faire un petit tour à Brickell, on va continuer à profiter de Downtown Miami, boire un petit juice comme on aime bien en plein milieu de la journée, et puis let's go home. Il est temps de terminer cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Look what we have behind! La Camaro est ici! Inspecté lundi, acheté mardi, livré mercredi et mise en conteneur derrière moi demain jeudi. Je pense qu'on ne peut pas faire plus rapide que ça. J'espère que les aventures vous ont plu. Clients contents, à bientôt pour un prochain épisode. Ciao !